Alors, les enfants, on va parler un petit peu du Tour de France. Donc félicitations, c'est donc le jeune Clément Métouissuire qui l'a emporté. Notre opération à chacun son tour est destinée à donner le goût du vélo aux enfants. Il y a une première phase dans les écoles avec un guide pédagogique qui balaye l'ensemble du programme scolaire. Pour les déniveler en calcul, c'est un peu difficile, mais sinon vous aurez ça moyennement. Comme on n'est pas de l'époque d'avant, on ne sait pas lequel est bon et lequel est mauvais. Je mettrais celui-là avant celui-là. Celui-là pour non. On doit mettre une phrase. Par exemple, là, on a mis pour Poulidor qui parle. Dommage, j'aurais pu gagner cette étape car j'avais réussi à doubler Anctil pour la première phrase en même temps. On fait ça en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale et avec le ministère des Sports. Et la deuxième phase, c'est ici le Cycloparc, un week-end complet dans l'une des villes étapes du prochain Tour de France. Alors l'idée, c'est vraiment que chaque gamin, chaque enfant avec ses parents puisse s'adonner aux joies du vélo et apprendre. Deux. C'est important pour nous vraiment donner le goût du vélo sous toutes ses formes. Aujourd'hui, le vélo a tout pour lui. C'est non polluant, c'est bon pour la santé. Et les enfants ne bougent pas assez, on veut qu'ils fassent davantage de sport. Si ce sport-là, c'est du vélo, eh bien tant mieux. On ne se souvient pas du premier jour où on a marché. Mais on se souvient quasiment tous du premier jour où enfin on a réussi à supprimer les deux roues et à faire du vélo. Et on se souvient aussi souvent de la couleur de notre premier vélo. Il faut tout faire pour que les enfants aient envie du vélo et le goût du vélo et le goût de la pratique sportive. Et le cycloparc dans les villes d'arrivée du prochain Tour de France est vraiment fait pour ça, sachant que les plus méritants de ces gamins auront la chance, troisième phase de l'opération, de franchir la ligne d'arrivée de l'étape du Tour de France environ 2 heures avant les champions cyclistes.